Salut les soifards, bienvenue dans Qu'est-ce que c'est cette histoire, épisode numéro 2. Et dans cet épisode avec l'ami Karech, on va vous parler du Lorbic. C'est parti! Donc comme vous pouvez le voir, on est encore une fois avec l'ami Karech qui fait des magnifiques podcasts et je vous mets donc le lien en description. Est-ce que tu peux un peu plus te présenter? Bien sûr, Karech, 39 ans. Ouh. On avoisine la quarantaine. Moi aussi, donc tracasse, on est solidaire. On fêtera ensemble. Ouais. J'ai fait une formation en zytologie à l'IFAPME à Liège. Et avant ça, tu étais juste enfin, un connaisseur, un amateur de bière lambda, si je puis dire. Enfin, connaisseur, c'est un bien grand mot. Oui, oui. Tu n'avais aucune formation avant ça. C'est bien ça, juste amateur. Ouais. Ok, d'accord. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on va parler du Lorbic. Donc, c'est un style de bière très, très particulier qui est assez méconnu pour les néophytes. On ne va pas dire que tu es un spécialiste, mais tu es plutôt un amateur de Lorbic. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers toi pour un petit peu nous en dire un peu plus sur ce style de bière très, très particulier. Oui. On va commencer par une petite dégustation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter la bière qu'on va goûter? Donc, bien sûr, c'est donc une Aude-Gueuse de la brasserie Driefonteinen. C'est à Bercy, si je ne me trompe pas. Si on veut goûter, en tout cas, la typicité du Lorbic et des Gueuses, ici en l'occurrence, c'est un produit à découvrir. Ok, d'accord. Et tu me disais tout à l'heure, hors caméra, on dit bien un Lorbic et pas une Lorbic. Hein. On dit un Lorbic. Un Lorbic, donc voilà. Ben, c'est parti, hein. Let's go. On y va. Servons ça. Oui. Santé, fille. Santé, fille. Oui, c'est très particulier. Alors, ce qui est vraiment typique dans ces styles de bière-là, je dis ces styles parce que ça regroupe plusieurs choses, on en parlera certainement après, mais c'est vraiment l'acidité, c'est ce qui ressort. C'est dû au type de fermentation, mais je pense qu'on en parlera plus amplement après. Tout à fait, oui. Mais oui, comme vous pouvez le voir, c'est assez peu mousseux et assez peu pétillant. Mais ça, c'est vraiment propre à ce style de bière et à la manière dont elle est fabriquée. C'est ça. Donc, voilà, ça, c'est classique. Il ne faut pas penser qu'elle est plate, qu'elle est propre à la consommation. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment comme ça, à ça que ressemble une bière lambique. Ici, en l'occurrence, la Aude-Gueuse, c'est un mélange de trois lorbics d'années différentes. Okay. Donc, on a du lorbic de 1 an, de 2 ans et de 3 ans. Le nouveau lorbic va permettre à la bouteille de refermenter, à refermenter en bouteille. Et en l'occurrence, amener la petite pétillance qu'on peut voir, je ne sais pas à la caméra, mais en tout cas qu'on peut voir moi ici. Donc, s'il n'y avait pas ce lorbic jeune, si on peut dire, ce serait plat, quoi. La bière serait beaucoup plus plate. C'est ça, voilà, ok. Est-ce que tu peux nous donner la définition vraiment classique de qu'est-ce que c'est un lorbic, en fait? Donc, un lorbic, c'est une bière de fermentation spontanée. Ok. C'est une fermentation bien particulière. Alors, historiquement, c'est la mère de toutes les fermentations, puisque la bière, vous le savez, certainement, ça n'a pas commencé hier, hein, c'était il y a bien longtemps. Mais avant la découverte par Louis Pasteur des levures, donc ça fermentait, mais on ne savait pas très bien comment. Évidemment, maintenant, on contrôle beaucoup plus la fermentation spontanée qu'à l'époque, évidemment. Et quand tu dis fermentation spontanée, ça veut dire qu'il n'y a pas de levure, en fait? En fait, il y a bel et bien des levures. Oui. Donc, en somme, la bière est brassée au départ plus ou moins comme une autre bière. Donc, on extrait du jus sucré de la céréale. En fait, on va envoyer ce mou. Donc, le mou, c'est le jus sucré qu'on obtient hors de la céréale. Et ce mou, en fait, va être envoyé dans un grand bac, pas très haut, en fait, je pense une trentaine de centimètres d'épaisseur. C'est les levures qui sont en suspension, enfin les levures et les bactéries qui sont en suspension dans l'air, qui vont venir ensemencer, alors on pourrait dire contaminer, mais le terme n'est pas bon, ensemencer le mou, et c'est ça qui va permettre après de fermenter. C'est ça qu'on dit spontané, donc il n'y a pas d'ajout de levure, c'est vraiment... Voilà, c'est bien ça. Ok, naturellement, quoi. C'est bien ça. De nos jours, je veux dire... Les bières lorbiques sont un peu moins connues que les bières classiques, pourtant c'est par là que ça a commencé. C'est par là que ça a commencé. Ce qu'il y a, c'est que il faut pas se leurrer. L'acidité n'est peut-être pas accessible à tout le monde. Et c'est vrai que pour les amateurs, évidemment, c'est le Graal. Mais on ne propose pas ça à tout le monde. C'est vrai que c'est pas toujours. C'est très particulier. Hein. Ouais. Si vous n'avez jamais goûté de lorbic de gueuse. C'est assez déroutant, j'ai envie de dire.
Ça ressemble presque pas à une bière, enfin, à une bière classique, c'est... Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est la bière Oui, classique, c'est la bière classique, mais on n'est pas habitué. mais on n'est pas habitué à ce genre de choses quand on boit des bières à fermentation haute Ou basse, ou oui. basse, comme tu disais tout à l'heure. Donc oui, c'est assez déroutant quand on n'en a jamais goûté, mais c'est typique, c'est vraiment particulier, c'est autre chose, quoi. Si vraiment vous êtes à la recherche de nouvelles choses à goûter et que vous ne connaissez pas ce genre de bière, il faut vraiment essayer. Bon, tout le monde ne va pas aimer, mais ça vaut la peine d'essayer pour... voilà. Sa connaissance personnelle, si C'est bien je... ça, il faut essayer Il toujours. faut toujours essayer. Santé. Santé, chef. Alors, si je ne me trompe pas, alambic, c'est une appellation un peu contrôlée, comme ça, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas faire alambic n'importe où en Belgique, ça vient vraiment d'une région particulière en Belgique, l'alambic. Alors, le lambic et gueuse, c'est un terme, c'est vrai, protégé. Alors, c'est pas un AOP. Ça a une C'est autre. un STG de mémoire Ça ou... doit être ça, oui. Ouais. Et donc, il est possible de faire une fermentation spontanée bah, un petit peu partout dans le monde, je vais dire, tant qu'on respecte les règles. Ouais. Mais le lambic et gueuse, c'est vraiment typique à la zone géographique, le Pajottenland, qu'on appelle ça, OK. la vallée de la Seine. Donc, c'est sur l'ouest et le sud-ouest de Bruxelles. Et voilà, on peut retrouver plusieurs brasseries ou en tout cas, ou aussi des coupeurs de bière, qu'on appelle ça. OK. Donc, c'est les brasseurs qui revendent leur moût, je vais dire, à des coupeurs. Et c'est eux qui assemblent les différents moûts. C'est eux qui vont laisser vieillir dans des fûts et qui vont faire l'assemblage alors des différentes bières. Et on en parlait un petit peu au début, la particularité aussi du lambic, c'est que ça peut vieillir un peu comme du vin. C'est bien ça. Donc ici, pour ne pas vous mentir, celle qu'on est en train de déguster, elle a été mise en bouteille en 2019 et on a une date jusqu'en 2039. Ah oui. Donc on a une vingtaine d'années de garde pour avoir pu déjà faire l'expérience. On peut continuer à boire la bière après. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de moins en moins de comment dire d'intérêt. À déguster quoi, ça tout s'atténue beaucoup Oui, c'est plus. ça, le vieillissement rend la bière un peu plus douce peut-être, sur la longueur, un peu moins acide. C'est ça, Oui. donc ça va s'atténuer. Alors, si on a de la chance, l'appétence va rester un tout petit peu, mais c'est vrai que ça a tendance à s'atténuer Ok. aussi. Mais voilà, ça, c'est l'intérêt aussi de ce type de produit, c'est de pouvoir acheter éventuellement une ou deux ou trois ou quatre, selon vos goûts, mais bouteilles et les laisser vieillir et puis alors acheter différentes années et pouvoir voir où c'est le plus intéressant de la boire et ce qui vous plaît le mieux. Oui, je vois ici que tu as quand même une belle petite collection. Donc, toi, tu en fais vieillir pas mal ou tu. J'en ai quelques-unes parce que c'est vrai que j'aime ça parmi tant d'autres. Oui, j'apprécie Oui, voir. tu me disais qu'on pouvait faire d'autres parallèles aussi avec le vin et le lambic? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que donc la levure, une des levures qui agit particulièrement dans les fûts, c'est la Brettanomyces bruxellensis. Et autant c'est recherché dans un lambic, autant c'est souvent à fouir dans le vin. En tout cas, je sais, je ne suis pas grand connaisseur en vin, mais je sais qu'ils n'aiment pas trop cette levure dans le vin, pour tous les phénols que ça peut dégager et couvrir certains autres aspects du vin. Ça développe souvent des odeurs de cuir, des odeurs de selle de cheval, on dit souvent d'écurie. Je ne perçois pas cet aspect cuir, moi c'est vraiment l'odeur un peu brute quoi, hein, comme si... On a souvent l'ouverture, ce nez d'écurie, j'utilise souvent ce terme-là. Mais c'est vrai que ça a tendance à s'atténuer un petit peu. Ici, je veux dire, ça fait quelques minutes qu'on a l'occasion de boire la bière. Voilà, c'est quand même quelque chose de typique dans ce style de bière-là. Au niveau du beer pairing, avec quel genre de plat, avec quel genre d'aliment est-ce qu'on pourrait associer ce genre de bière très particulière? Alors,
Moi personnellement, j'irais sur un plat un peu plus gras pour que l'acidité puisse. Une grosse frite, grosse Oui. mitraillette, mayo? Allez, bah écoute, moi pas spécialement, mais tu peux essayer Bah, je peut-être. serai la prochaine fois. Je sais que tu es fan de Oui, mitraillette. de temps en temps, hein, ça fait du bien au corps. Hein. Mais je crois qu'ils vont me regarder de travers si j'ai avec ma gueuse à la friterie, ça va faire bizarre, Probablement, mais oui. pourquoi pas. Ce sera peut-être le premier. Ouais, bah ouais. Et donc tu disais des plats plutôt gras alors? En tout cas, l'acidité a tendance à contrer le côté gras, ou alors plus volontiers sur un plat à base de poisson, peut-être poisson blanc, ou justement peut-être aller sur un poisson un peu plus gras, comme peut-être le saumon, et toujours à tester. Ouais. Bon bah merci Kevin pour toutes ces informations et pour ta science. Hein, voilà. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, ça change un peu de d'habitude où c'est un peu plus pompé-lap. Là voilà c'est un peu plus instructif et je trouve que c'est pas mal. Moi je pense qu'on va refaire de temps en temps des petits épisodes comme ça. Donc n'hésitez pas à noter en commentaire s'il y a des types de bières, des termes autour de la bière ou quoi que ce soit que vous voulez savoir et je pourrai faire peut-être un épisode une prochaine fois. Salut les surfeurs, on se retrouve dans un prochain épisode. Santé, Santé.